Bienvenue sur Rock Moderne et nous allons dépouiller donc les disques que je vous ai montrés dans ma nouvelle vidéo sur le Record Store Day ou Disquaire Day 2021, donc du 12 juin que j'ai tourné à Lyon, donc hier, principalement chez Gibert. Pourquoi? Parce que chez Joseph Gibert, il y avait un choix formidable, comme vous avez pu le constater. Alors que malheureusement, à cause du Covid, il y a pas mal de disquaires indépendants à Lyon qui n'ont pas fait le Record Store Day ou peu, qui avaient un peu de choix. Et il y en a même qui ont disparu. Voilà, donc je vous ai passé qu'une vidéo sur Gibert. Il y avait Sofa Records, où j'ai trouvé un disque. Et puis c'est tout. Alors en effet, donc on va commencer sans plus attendre par le premier ACDC. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que il y avait pratiquement une personne sur deux qui recherchait le dernier album de Lady Gaga en édition spéciale du Record Store Day. Ce qui fait que quand on faisait la queue, il y avait quand même une file d'attente énorme. Hein. On a fait la queue pendant 1 heure parce que à cause du Covid et de la demi-jauge, enfin de la distanciation, donc on passait deux à deux. Donc ça a mis on a mis 1 heure à passer. Et à chaque fois, le vendeur de chez Giver nous disait: Est-ce que vous attendez pour Lady Gaga? Parce qu'il n'y en a plus. On en avait 15, mais on les a tous vendus. Voilà, petite histoire. Alors, je regrette pour Johnny aussi. J'ai pas pu tout ramener, bien sûr. J'en ai pris quelques-uns. D'abord, il n'y avait pas tout. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a jamais tout. Et on trouve on trouve pas tout. Je me répète, par exemple, celui-ci, le Cure, j'ai pas trouvé le pitcher disc de Fess, l'album de Cure, je crois, de 80. Ghost to Mars aussi, je ne l'ai pas trouvé. Ça, c'était pas terrible en remix. Pas la chanteur, Amy Winehouse est excellente, mais les remix, il paraît qu'ils n'étaient pas, d'après disquaire, excellents. Bon, là, j'ai trouvé pas mal de choses quand même, malgré tout. Alors, on va commencer par ACDC. Hein. ACDC, Through the Mists of Time, sur leur dernier album. Voilà, présente comme ça. Voilà, donc un picture disc avec la qualité qu'il se doit, puisque je vous avais expliqué que c'est juste une petite pellicule de plastique qui est pressée sur une photo et sur du PVC. Donc il n'y a pas de sillon très profond, d'où un certain souffle. Vous voyez les prix à chaque fois, je vous les montre, c'était assez correct, alors que certains autres disquaires pratiquaient comme. On m'a demandé si j'avais pris le picture disc du film Les Goonies à 45 euros, je me suis désisté. Voilà. Par contre, celui-là, vous voyez, Picture 10, 21 euros, prix raisonnable. Donc, ce que l'on trouve sur leur dernier album, donc Powered Up de 2020, AC/DC. Voilà. Donc, je vous le remonte pour les fans. Donc, très beau disque, quand même, à avoir dans la collecte. Ensuite, R, c'est pas le meilleur. Donc, je crois que c'était 2002, ça. 2001, People in the City, donc voilà, sur leur album de l'époque, pas mal, pas mal. Bon, c'est pas les plus connus. Il n'est pas sur la compile d'ailleurs du best-of que j'ai, parce que moi, R, j'ai pas d'album, hein, si ce n'est le best-of. J'ai que le best-of, et puis je regarde le voilà, The Suicides. De R, la BO, et puis j'ai donc ce feature disc donc, qui est pas mal, People in the City. Et on a la Mojo version qui est une version plus, j'allais dire, sud-américaine. Et People in the City, on a la Jack Lana Remix, et puis la version de l'album. Bon, ce maxi original se trouve pour une dizaine d'euros, c'est pas très, très en demande, mais il y a un joli picture disc, donc ouais, sympa à voir. Ensuite, sur le dernier album de Django Django, toutes les remixes de Glowing in the Dark, donc sur leur album Glowing in the Dark, bon groupe anglais, Django Django. Alors, bien sûr, 2021, 5 nouveaux remixes du titre du nouvel album de Django Django, réunis sur cette EP exclusif avec Spiral, Free from Gravity, Waking Up, Glowing in the Dark. Voilà, il y a pas mal de titres de l'album qui sont remixés. Bon, généralement, c'est pas mal les remixes de Django Django, c'est pas mal, c'est eux qui les font. On verra ce que ça vaut.
Alors ben, je vais vous l'ouvrir quand même celui-ci, mais là j'ai un short, je ne sais pas si je vais arriver à vous l'ouvrir ou si je vais pas prendre un petit cutter, parce que là, quand on n'a pas de jean, on peut se faire très mal. Il suffit, vous voyez, faire juste ça, vous amorcez avec le doigt, après vous continuez. Voilà, c'est tout à fait facile, faisable. Mais là, j'ai toujours peur de rayer un disque en faisant ce système. En plus, je tombe sur un cellophane qui est dur à ouvrir. Voilà. Voilà, on y est arrivé. On y est arrivé. Voilà, donc, ah, c'est direct. Oh là là, c'est directement dans une pochette cartonnée comme ça. J'aime pas trop parce que le disque peut être griffé. Voilà. Bon, vous connaissez hein, le groupe que je vous avais montré. Donc l'album qui est un petit peu moins bon que le précédent à mon avis, mais qui est pas mal du tout. Django Django. Voilà. Donc avec tous les remixes. Donc bon titre, le prix 17 euros. Voilà. Donc tout à fait normal. Disons que chez Gibert, c'était des prix normaux. Ensuite, j'ai pris le dernier qu'il y avait. Ils n'en avaient pas reçu beaucoup de Ariana Grande. Genre, je ne suis pas un fan d'Ariana Grande parce que le seul album que j'ai, c'est Dangerous Woman qui était sorti en 2016. Ça, c'est l'édition originale, ce n'est pas le repress. Pour une quarantaine ou cinquantaine d'euros, vous pouvez l'avoir encore en pressage européen. Et vous avez dessus, bien sûr, les titres Dangerous Woman et surtout Into You, que l'on retrouve évidemment, entre autres, hein, parce que je crois que c'est son troisième album, Dangerous Woman. Donc on avait ce live de 2019, je crois. Je vérifie toujours parce que Ariana Grande, je vérifie toujours. Voilà, 3 décembre. Donc, que c'était en 2000, je regarde 2020, il me semble que c'était en 2019, ça. À vérifier chez Republic Records, donc avec tous les titres hein, des trois premiers albums, puisque après le live était sorti, je crois, bon, l'album 2016, donc c'est après, je crois que c'est de 2019 le live. Bon, c'est un gatefold, n'ayons pas peur des mots, on peut l'ouvrir. Bon, assez difficile à trouver, je vous ai dit, chez Gibert, il n'y avait plus qu'un. Il a été très recherché aussi celui-ci. Le prix, il ne devait pas être mal non plus. Ah, je sais même pas, il n'y a même pas d'étiquette ici. Oui, quand même, hein. Quand même, hein. Quand même, on a des prix. Malgré tout, ils les ont tous vendus. Ils en avaient pas mal. Voilà, ils en avaient pas mal, mais c'était parti. C'est du 180 grammes. On a tous ces titres, hein, tous les titres qu'on retrouve. Raindrops, Good in a Woman, Bad Idea, Break Up with Your Girlfriend, Rem, Right There, etc. Je vais pas Be Alright. Je vais pas tout vous citer, sinon il y en a pour une heure. Voilà, je vous les mets là. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Voilà. Donc, Bye for Now. Donc, c'est un live du 23 décembre, je crois. Et là, 23, c'est ça, 23 décembre 2019, hein, voilà. Je fais de mémoire parce que j'ai pas noté, je suis pratiquement sûr d'ailleurs que c'est 2019. Voilà, prenons notre temps. Et bon, un vinyle 180 grammes noir, hein, tout à fait classique, qui peut ressortir d'ailleurs en vinyle classique. Je pense qu'ils vont le rééditer, hein, rassurez-vous. Enfin, ces prix, on est vraiment à la limite de la limite là, presque 40 euros, c'est fou quoi. Mais c'est un trifold quand même, donc 3 vinyles, hein. Trois vinyles, donc trifold avec quand même toutes les explications, tous les crédits, c'est assez bien présenté. Bon, trois disques, ça vaut quand même le coup. Je vais vous montrer du 180 grammes. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Donc, je vous l'ai dit, c'est République aux États-Unis et diffusé aussi par Republic Records en Europe. Là, c'est pressage européen parce que il est sorti aussi pour le record sondé américain. Voilà. Donc, pas mal. Pochette antistatique, c'est très appréciable. Vu le prix, ils peuvent se le permettre. Et voici le troisième. Voilà. Side 5 and 6.
Bon, très sobre, hein, genre style Indochine. Voilà, bah, écoutez, je me régalerai parce que là, il y aura un peu une synthèse des trois premiers albums, je pense. D'Ariana Grande, bon, ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu entre Dua Lipa et puis Lady Gaga, quoi. Je dis que c'est un petit peu du Lady Gaga. D'ailleurs, elle chante avec Lady Gaga. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un énième Enola Gay avec une nouvelle version pour Record Store Day. Donc, ce n'est pas le maxi que je vous avais sorti, vous avez présenté en 2020, les nouvelles versions. C'est une édition limitée en Red Vinyl. Voilà, ce sont des nouvelles remixes. Alors, From the Hot Ship and the Okotis. Alors, je ne sais pas si ça a été bien remixé. Ça n'a pas été remixé par OMD, Orchestral Manœuvre. C'était Virgin à l'époque, là c'est Universal, EMI. Donc il n'y a même pas du Virgin dedans. Donc ça veut dire que ça doit être pas terrible peut-être. Souvent on est déçu par ces nouvelles versions. Mais enfin bon, il y a une belle pochette. Voilà, le prix est quand même à 17 euros. Ça va, c'est assez raisonnable. Toujours chez Jiber. Voilà. Bon, tant pis pour le Johnny, hein, j'aurais dû le prendre, c'est vrai que avec un petit code de téléchargement aussi, c'est sympa. Voilà, donc disque tout à fait classique, un peu de la même couleur que le précédent que j'ai ici d'ailleurs, mais je ne vais pas vous sortir tout ça. Voilà. Donc voilà. Ce Cotis Remix. Et là, The Hot Chip Remix. 4,19. Et l'autre 3,59, des versions courtes. Ça ressemble peut-être à l'original. J'ai hâte d'écouter ça. J'espère ne pas être trop déçu. Orchestral Manoeuvre in the Dark sur l'album. Donc Enola Gay sur l'album de 80, Organization, chez Virgin. Ensuite, on a deux lives de chez Police. Alors là, ceci, c'était vraiment abusé. Vous avez vu les prix. 39 euros, 40, quoi, pratiquement. Mais enfin. Le Goniz à 45 euros, un simple pitcher disque. Là, on a quand même deux disques. Donc, on va passer sur le live à Boston de 1979, hein, la meilleure période, avec So Lonely, évidemment, Walking on the Moon, Message in a Bottle, Peanuts, Roxanne, Can't Stand Losing You. C'est incroyable tout ce qu'il y avait. Oh. C'est incroyable sur leurs trois premiers albums, je pense. Oui, c'est ça. Je vérifie quand même où leurs deux. Synchronicity. Don't Stand So. Ouais, sur leurs deux premiers albums uniquement. Oui, 79, je suis bête. 79, 79, les tout premiers. Hein. Donc, Regatta de Burn et Mandata, Zenata. Voilà. Donc là, je crois que c'est un Gatefold. Un gatefold, donc on peut l'ouvrir. Bon, ça on le trouvait assez facilement, il n'y en avait plus tellement quand même. Hein. Ouais, mais enfin, vu le prix, et quand même, il n'y en avait plus tellement. Chez Jiper, il devait en rester, mais quand je suis revenu après, une heure après, pouf, il n'y avait presque plus rien dans le bac. Voilà, donc voilà, petit sticker prêt, si vous voulez voir. Voilà. Donc, très jolie pochette. Voilà. Titres. Et on a dedans à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Voilà, donc le live à Boston en 79. J'espère que l'enregistrement a été bien remasterisé. Voilà, donc, tel qu'il était à l'époque. Une pleine ascension, puis un joli vinyle coloré. Je pensais que c'était noir. J'avais pas pris mes lunettes, j'avais pas lu le sticker, mais je vois que c'est du bleu pétrole. C'est assez sympa. Puis alors du 180, ça a l'air bien pressé, ça sent l'universal. C'est qui fait ça? Faut que je regarde. AM, bien sûr, à l'époque, repris par peut-être du Sony ou Made in Germany. C'est fait en Allemagne. UMC, oui. Ça pue l'universal à plein nez quand c'est impeccable comme ça. Généralement, c'est du Universal Music. Voilà, Allemagne en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit coupon de téléchargement qui n'est pas désagréable pour un record store day. Pas vu le prix. Vu le prix, vu le prix. Voilà.
partie Foucault. Et bien sûr, la vedette, Sting. Bien sûr, quelle carrière depuis. Toujours pareil, avec joli macaron. C'est vraiment une édition très bien soignée. Ça a l'air bien pressé, on le sent. On sent dans la main, il n'y a pas de bavure, pas de poussière. Les sous-pochettes impeccables. Oh, c'est une très très belle édition. Je pense que je ne serai pas déçu. Ensuite, le second, alors le live évidemment en 83 qui reprend les trois autres albums donc, qui ont suivi. Donc les deux premiers c'était Outlando d'amour et puis Regatta de blanc et ensuite il y a eu la Mandata Zenata et puis donc Synchronicity tout ça voilà on se rafraîchit la mémoire hein. Donc là Atlanta en 83 après ils se sont séparés hein. Ils se sont séparés. Sting avait commencé en 84-85 sa carrière solo. Déjà, c'est depuis qu'il a fait le film de Dune. Là. De Dune. Film Dune, pardon. De David Lynch. Avec la BO de Toto. Après, bon, il s'était plus trop police. Il a voulu faire autre chose. Un petit peu sortir de son rôle. Voilà, mais enfin, ils ont fait quand même 5 très bons albums. Puis là, donc, Synchronicity, Message in a Bottle, ils reprennent encore Doudoudou, dit Da sur Mandata Zenata, je crois. Spirit in the Material World, Don't Stand So Close to Me, ils reprennent un petit peu tout, Solonley, Roxanne, ils reprenaient un petit peu les 5 albums là, ici. Voilà, enfin, on avait les titres des 3 albums suivants quand même, voilà. Très jolie pochette. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a aussi pareil. Décidément, je tombe toujours sur les autres membres. Voilà, c'était toujours chez Universal. Ah oui, par contre, un rouge translucide superbe. Alors, regardez ces macarons. Pas de bavure, pas de débardage de signe débardage comme souvent, des fois des griffes. Voilà, c'est vraiment impeccable. Ensuite. Ensuite, on a donc l'album de la suite de l'album du live de Police avec Sting. Voilà. Attendez, je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver quand même. Excusez-moi, je reviens de suite. Voilà, je crois que je l'ai mis ici. Voilà, le voici. Ghost in the Machine, voilà. Je cherchais le nom, donc, vous voyez. Donc, quatrième album, donc, on a titre Ghost in the Machine, et évidemment, donc, Zenyatta Mandata. Voilà, je voulais me rafraîchir, puisqu'il y a des fans, hein, donc je ne peux pas me permettre de faire une erreur grossière. C'est vrai qu'en remettant les pochettes comme ça, vous voyez, c'est pas évident. Hein. Il y a certains youtubeurs qui me disaient qu'il fallait les mettre dans l'autre sens, mais c'est vrai que c'est pas évident à reclasser, surtout quand c'est serré. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Qu'est-ce qu'il y avait sur les crédits? Bon, si vous voulez voir un petit peu plus de détails, regardez, c'est vraiment, je vous remonte, c'est vraiment magnifique. Voilà. Regardez ces photos. On a le temps, hein. Rassurez-vous, on est à 19 minutes, hein, presque fini. Ensuite, pour les enfants, alors chez Sofa Records, donc je fais un petit peu de pub, voilà. Sofa Records, pas mal, à côté de la place des Terreaux, hein, toujours à Lyon. Voilà, si vous voulez, c'est pas mal. Allez faire, comme chez Danger Records aussi, allez faire un petit saut. Donc le Shrek, je n'avais pas sélectionné. Mais bon, j'ai trouvé. Bon, évidemment, hein, les prix chez les disquaires indépendants sont un petit peu plus chers que chez les grandes enseignes.
Voilà, donc Record Store Day, donc évidemment Shrek, inutile de vous présenter le dessin animé de 2001, donc pour le 20e anniversaire, donc bien sûr DreamWorks, bien sûr DreamWorks qui a réalisé comme souvent ces dessins animés. Voilà, je voudrais pas abîmer quand même le disque. Voilà, regardez le blister. Je vous remonte quand même la pochette, les petits stickers. Et on a une pochette phosphorescente, apparemment. Donc, musique par Harry Gregson Williams and John Powell. Je vous avais présenté déjà, je n'ai pas en mémoire, mais plusieurs BO de John Powell. Qu'est-ce qu'on a dedans là? Bon, rien. Avec une jolie sous-pochette. Bon, c'est du 140 grammes. Un petit peu cher pour ce que c'est, mais voilà, on a tous ces titres-là. Bon, c'est pas du Various, ça, c'est vraiment de la BO. Voilà, c'est vraiment de la BO. Je vous montre un petit peu plus. Regardez. Ah, c'est bien soigné quand même. Bon, à mon avis, ça va sortir en pressage noir ou d'autres éditions couleurs, rassurez-vous. Et là, donc, si j'éteins les lumières, ben voilà, déjà, regardez comme ça. Ça en jette. Voilà. Shrek. Ensuite, vous voyez, finalement, il y avait pas mal. Ensuite, donc, Tears for Fears. Bon live à Toronto, au Canada, en 1985, at Massey Hall. 31 euros. C'est un gatefold, double gatefold, Tears for Fears. Groupe anglais, inutile de présenter. Voilà leur deuxième album que j'ai trouvé à la Fnac. C'est épuisé ça, mais à la Fnac ils en avaient encore. Parce que l'étiquette est de mars 2020. Mars 2020, ah oui, avec tous ces confinements, tout ça, ils l'avaient depuis mars 2020. Et dessus, bien sûr, on retrouve Shout et Everybody Wants to Rule the World, qu'on doit retrouver là-dessus. On retrouve le premier album, Mad World. Premier album qui est donc The Hurting, pardon. Alors, du premier album, il y a The Hurting, Mad World et pa Pale Shelter. Donc, Pale Shelter, c'était sorti en 81, Mad World en 82 et The Hurting en 83, l'album. Voilà. Et Ovi Suffer the Children, il n'y est pas. Et on passe sur le deuxième album, donc Songs from the Big Chair de 1985, si mes souvenirs sont bons, je pense en gros. Hein. Et dessus, on avait I Believe, bien sûr, et le fameux Shout. Et Everybody Wants to Rule the World. Oui, Head Over Heels Broken aussi. Et Mother Talk sur ce deuxième album. Voilà, tracklist, donc bien complet. Voilà, c'est pareil, il y en avait pas mal quand je suis revenu, il n'y en avait plus. Hein. Là, les gens se sont rués dessus. Se sont rués dessus. Ouais. Ils en avaient pas mal pourtant. Moi, je sais que quand j'ai fait la vidéo, il y en avait au moins 4. Je suis revenu, il n'en restait plus qu'un. Voilà. Voilà. Toujours pareil. Donc, musique on vinyl, une UMC Universal. Le Shrek, c'était. Oui. Je me souviens plus qui c'était qui avait fait le Shrek. Je ne vous l'avais pas dit. Non, c'est américain, ça. Donc, bon, écoutez, on va. Après là. Bon, Tears for Fears, c'est du bon. Hein. Surtout à l'époque, c'est live. J'ai pas mal de vidéos, cassettes vidéo de Tears for Fears, notamment un live. Voilà, c'était quand même pas mal. Et là, on a les bandes masters, le mastering original. Voilà, c'est assez intéressant. Vous voyez les pistes. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marchait. Artiste, l'ingénieur du son, le producteur, voilà, ça c'était le studio. Donc 24 pistes ici, donc on était en 24 pistes, voilà. Ensuite en Dolby, voilà, Dolby, 15, Reel of, après studio, etc. La date, voilà. Enfin il n'y a pas tous les renseignements, il n'y a pas tous les renseignements de la bande masters, voilà. Après la durée, etc.
C'est sympa. Donc je remonte. Très beau disque. Macaron, vraiment fidèle. Je pense que le deuxième disque doit être pareil. Moi, je vous montrerai. Bon, c'est pareil. Hop. Un petit peu plus vite. Ouais, parce que c'est vraiment la reprise des macarons originaux du SIG, enfin du logo du groupe original. Voilà, de l'époque. Bon, Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Ouais, je peux en profiter pour vous l'ouvrir aussi celui-ci, puisque mais c'est pas du Record Store Day, ça. C'est de l'année dernière et c'est sold out. Hein. C'est sold out. Et je discutais avec le gars de la Fnac qui me disait que OK Computer. Radiohead, tout ça, c'est sold out aussi. Il y a beaucoup de choses sold out. Ensuite, alors, décidément, Steven Wilson ne va jamais, va toujours nous étonner. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Ça s'était sorti sur CD, dans la box CD du 40e anniversaire de l'album d'Ultravox, produit par Mick Jure, nouveau chanteur d'Ultravox. Et avec le single Vienna, etc., il y avait beaucoup de titres. Il y avait New Europeans, Passing Strangers, Sleepwalk, Mr. X, et bien sûr Vienna et All Stood Still, sorti en 1980. Et alors, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Est-ce qu'il a réenregistré, remixé Steven Wilson? Parce que j'ai écouté Vienna donc, sur YouTube en version stéréo mix de Steven Wilson. C'est exactement la même chose avec des ajouts. Remasterisé, est-ce qu'il a repris les bandes masters, il a rajouté des petites choses, enfin c'est très fidèle, hein. Il y a la voix de Midjour, il y a les percussions, il y a la basse, il y a tout, les synthés, c'est très 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 soigné, c'est vraiment une édition très soignée, là aussi vraiment à ne pas manquer. Donc là c'est la première fois que ça sortait en vinyle, parce que dans l'édition vinyle du 40e anniversaire de l'année dernière, il n'y avait pas ce double album où il y a l'album Vocals, chanté, et l'album instrumental, le tout remixé par Steven Wilson. On voit bien sûr ici Midjour, Warren Cann, évidemment, de visage, Billy Currie, qu'on retrouve chez Gary Numan, et Chris Cross aussi. Voilà, qu'on retrouve chez Gary Numan aussi. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Donc, bien sûr, les albums, la discographie, je vous invite vraiment à prendre ces albums qui sont les meilleurs, là, vraiment, les 4, 1, 2, 3, 4, premier, deuxième, troisième, quatrième album, live aussi, vraiment excellent. Là, c'est vraiment, et surtout Steven Wilson, là, ce que j'ai écouté, bon, je vous dirai là, parce qu'on ne peut pas écouter le reste, hein, je n'ai pas trouvé. Voilà, ça reprend un peu la pochette d'origine. Et en plus, vous avez des pochettes anti-statiques. En plus, c'est une édition translucide, hein, comme l'édition du 40e anniversaire, où il y avait l'album normal, donc l'album remasterisé mais normal, l'édition normale de l'album de 80 de Vienna. Et il y avait aussi des inédits, des b-sides et des lives en bonus vinyle. Voilà, c'est ça l'intérêt de cette édition du 40e anniversaire. Voilà. Donc ça, c'était sorti en 2020 en CD. Le Steven Wilson, là, c'est la première fois que ça sort en vinyle. Ensuite, le Fire de U2. Alors, je pense que c'est leur deuxième single de 1980, hein, sur l'album October, de mémoire. Là, je suis vraiment de mémoire. Donc, Fire. Bon, c'est un picture disc, il fallait l'avoir. Voilà, avec deux live tracks et deux studio tracks. Voilà, pas mal. Donc c'est évidemment du 40e anniversaire. Donc c'était sorti en 81. Ça, je pensais que c'était en. Oui, 81. Octobre 81. Et Boy 81. Bien sûr, 40e anniversaire, comme les années passent, déjà 40 ans. Et on a dessus Fire, J Swallow, et en face B, Fire, version live de juillet 82, et Fire live au Hammersmith Palace, hein, London, en décembre 1982. Donc c'était sorti peut-être en 80, 82, mais le single était sorti en 80. Bon, c'était pas la peine de vous sortir, alors on va bien prendre du groupe.
Donc très joli, on le voyait quand même assez facilement. Et alors donc à la Fnac, j'ai pris, il avait depuis 2019 une édition limitée de leur premier maxi, Out of Control, sur l'album Boy de 1980 de U2. Donc dessus il y a Boy Girl Story for Boys. Ça c'est en face B, et en face A on a Out of Control. Donc ça c'était en 80 de mémoire, hein, puisque c'est sorti pour le... Ah non, mon 40e, c'était sorti en 2019, donc c'est sorti en 79, c'est leur premier maxi qui reprend d'ailleurs la version générique de l'époque. Et on a aussi, donc 17 €, il l'avait depuis novembre 2019, on ne trouve plus, c'est sold out ça. Et c'est chez toujours Universal, bien sûr, Warner, je ne sais plus. Je ne sais plus. Island à l'époque, oui, bien sûr, mais depuis. Bon, on va voir ça dans le détail. Donc là, je vais ouvrir aussi. Et là, c'est une édition limitée de. Enfin, peut-on parler d'édition limitée où j'ai le numéro 12 773 sur 17 000, mais enfin, c'est limité. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire sur le Record Store Day. J'ai encore un autre vinyle du Record Store Day, mais de l'année dernière, que je voulais d'ailleurs. Bon, sans plus, hein, sans plus, mais bon, il fallait quand même l'avoir quand on a une chaîne de ce nom. Voilà. Oh là, c'est vraiment du très lourd là. Hein. Donc ça doit être du Universal, parce que oui, Universal, parce que là c'est du lourd. Vous en avez pour votre pognon. Hein. C'est vraiment du 180 bon poids. Voilà. On verra si le master est bon. Voilà, ben ce qui fait que j'ai les trois premiers maxi en réédition, hein, du coup, c'est pas mal. Et enfin, on a le fameux Roger Waters qui a été soldé, hein, de 32 à 25 €. Je l'ai acheté soldé. Donc, qui a été enregistré en live le samedi 21 juillet 1990. En fait, c'est pas live, hein, oui, voilà, live in Berlin, live à Berlin. Juste après chute du mur de Berlin 89. Et on a évidemment les. On avait aussi Bryan Adams, etc. Il y avait Thomas Dolby. Je crois qu'aussi il y avait Scorpion, Sinéad O'Connor, Cyndi Lauper, Bryan Adams, je l'ai dit. Voilà. Pas mal de choses. Pas mal de choses, c'est pas Gatefold ça, si je vois pas bien, je crois, je suis pas sûr, je n'ai pas bousillé là. Ouais, c'est un Gatefold, c'est bon, je peux y aller. Voilà, on arrive à Berlin. Alors, The Wall, évidemment, c'est à cause de la chute du mur, c'est pas qu'ils ont joué l'album The Wall à Berlin en 1990, hein. C'est plutôt qu'ils ont fait ce concert en hommage de la chute du mur de Berlin grâce à Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev et au dégel de la guerre froide de l'époque. Et on a donc tous ces titres. Hein. Voilà, et You. Voilà, bien sûr. Je regarde ce qu'il y avait exactement. Voilà, les fans verront tout ça mieux que moi. Voilà, une édition qui n'a pas été très réclamée, hein, l'année dernière. Ça n'avait pas été. Bon, à 20 € ça vaut le coup, quoi. Mais c'est vrai qu'il était cher et voilà, c'était pas très top, ça. Ça n'a pas été très, très en demande, ce disque, on le trouve, hein, je sais pas si ça fera un collector un jour. Donc j'écoute, on va savoir ce que ça vaut exactement, ce qu'il y a exactement dessus. Voilà. Tous les titres sont de Roger Waters. Hein. Voilà. Donc, puisque après l'album The Wall de 1980, il est parti, il a quitté le groupe, on le sait bien. Hein. C'est Gilmour. Avec Gilmour qui a repris le flambeau très bénéfiquement d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous présenter. Ben, ça fait déjà 34 minutes. Ben, c'était pas mal. Donc, il faisait chaud, il faisait beau à Lyon. Ouais. Et voilà, hein, qu'est-ce que je pouvais vous dire de mieux? Bon, je vais tout classer, j'écouterai. Puis, à l'occasion, je vous dirai ce qu'il en est. Ce qu'il en est, si j'avais eu des déceptions ou pas. Donc, Gibert, toujours pareil. Mais moi, je trouve que quand même, c'est un petit peu déloyal. Parce que Gibert, je pensais que c'était une grande enseigne. Ben non.
ils ont quand même accès au catalogue des disquaires indépendants, parce que c'est vrai que s'il avait fallu que j'aille chez les disquaires indépendants, j'aurais trouvé que peut-être le live de Police, un U2, et puis c'était tout, hein. Ailleurs, j'aurais pas trouvé grand-chose. C'est dommage, et ils veulent ne plus le faire parce qu'on leur donne des tas. Comme si vous commandez comme Gibert des tas de disques pour le disque Record Store Day, ils vous donnent un panel de choix énorme. Mais si vous choisissez que quelques disques, parce que vous êtes disquaire indépendant, vous ne voulez pas en stocker énormément, à ce moment-là, ils vont vous donner ceux dont personne ne veut. Et à ce moment-là, les gens vont les garder, comme ils me disaient, les disquaires, on va les garder des années. Donc, ils se tâtaient de savoir s'ils allaient continuer, hein. Voilà, il aurait fallu que les disquaires indépendants puissent accéder au catalogue et vraiment puissent commander le nombre de disques. Par exemple, je veux tant de Police, je veux tant de Johnny, je veux tant de ceci, tant de cela. Et à ce moment-là, ils commandent exactement ce qui leur convient et comme ça, tout est vendu et ils recommandent les années suivantes. Mais ce que là, si on leur donne d'autres disques que ceux qu'ils ont commandés et les disques les moins vendables, les moins commerciaux, à ce moment-là, ça va pas du tout. En tous les cas, il y en avait pour toutes les bourses, toutes les couleurs, tous les goûts musicaux, c'est ça qui était très bien. Il y avait un choix énorme. Il n'y avait pas que du Lady Gaga, heureusement. Et bien que j'aime bien Lady Gaga aussi, mais bon, pour dire, il y avait vraiment un grand choix de disques, même des choses que je connaissais pas trop, des rééditions assez de disques assez anciens. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vais pouvoir mettre ça en ligne peut-être demain, puisque aujourd'hui, il y a la vidéo sur le live, enfin sur ce que j'ai fait directement à filmer chez Gibert Lyon, sans faire de pub, mais enfin je suis un petit peu obligé. Et chez Sofa Records, je vous recommande un très bon disquaire, et puis aussi ce disquaire là où j'ai trouvé le Roger Waters d'ailleurs, chez le donc il s'appelle Original Watts, qui est pas loin non plus. Voilà. Original Watts pour 5 euros, vous pouvez prendre le bag. Voilà, 3 rue des Capucins à Lyon. Voilà, il y avait Danger Records aussi, mais il n'y avait pas trop de choix non plus. Voilà, dans le même quartier, voilà, il y avait les trois, donc Sofa Records, Original Watts et Danger Records. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, bon visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais être obligé d'en faire une parce que la pile des nouveautés ne cesse de croître. Et là, je vais être obligé de vous faire trois vidéos. Une sur des imports originaux neufs des États-Unis début des années 80. Une sur les nouveautés et une sur les BO en nouveautés aussi. Voilà, salut, à bientôt.